Alors? Alors, on a un problème avec la grille tarifaire. Oui, je voulais voir un petit peu avec vous ce qu'on pourrait proposer. Alors, oui, de mon côté, j'ai un peu réfléchi à la situation. Parce que là, on est clairement dans l'impasse. Alors, peut-être qu'on est parti dans la mauvaise direction. C'était quoi les délais déjà? Et sinon, je disais... Oui, donc je disais que nous étions sûrement partis dans la mauvaise direction. Peut-être même la direction inverse des attentes du client. Attendez. J'ai une idée. Parce que bon, là, on s'est planté, hein, faut bien l'admettre. On est parti dans la direction inverse des attentes du client. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on prenne le contre-pied. C'est ce que je disais. Mais oui, c'est ça! C'est bien, ça, c'est bien. Hein? Ben, attends, il y a une surprise. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, comme un flash. Bien. L'autocritique, la remise en question. Bravo, Enzo. Ça me plaît, ça. Je sais pas comment tu fais. Allez, je te paye un café. Allez. Oh là, c'est fou, ça, hein. Comment ça fuse dans ta tête si rapidement? Marre de vous faire appeler mon petit chat? D'être payé moins? À travail d'écart? De vous faire reprocher votre grossesse, d'être regardé dans le blanc des... Alors n'attendez plus. Demandez la boxe. Simple, rapide, efficace. Alors, on a un problème avec la grille tarifaire. Oui, donc est-ce qu'on peut leur proposer quelque chose? De mon côté, j'ai un peu réfléchi à la situation. Parce que là, clairement, on est dans l'impasse. Peut-être qu'on est parti dans la mauvaise direction. Oh putain. Donc, je disais, peut-être que nous sommes partis dans la mauvaise direction. Je dirais même la direction inverse des attentes du client. Est-ce qu'on... On s'est planté, il faut le reconnaître. C'est primordial de savoir se remettre en question pour avancer. Et donc? Je propose qu'on prenne le contre-pied. Très bien. Bravo Louise, tout à fait d'accord sur votre analyse. Ça me plaît, ça. Enzo, je vous donne le leadership sur le projet. Ma petite Louise, vous assisterez Enzo et lui transmettrez vos notes. Tu vois, moi, je trouve ça dommage que tu n'essaies pas de t'imposer un peu plus. Et puis, petit conseil de toi à moi, la prochaine fois, fais sauter un bouton. Ouais.